et à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler un peu de ce qui se passe en politique, c'est-à-dire pas grand-chose, ou comment on se fout de nous, quoi. Alors on a l'exemple avec l'histoire de la réforme des retraites. Vous pouvez vérifier ce que je vous dis, c'est très simple, hein. Ils ont fait des simulateurs de cette retraite. Donc la retraite aujourd'hui proposée par Macron, soi-disant à 64 ans, consiste à rallonger de 2 trimestres la durée de vie du travail. Et à cause de cette retraite nouvelle, on a des grèves partout, on a les trains bloqués, les métros bloqués, les transports bloqués, enfin tout est bloqué, alors qu'on est quand même en pleine crise, hein, et que tout va mal. On a échoué finalement sous Macron, depuis 2017, dans tous les domaines. On l'a vu avec le virus, les confinements n'ont servi strictement à rien, sauf à une chose, je l'avais dénoncé dès le départ, mais dans un désert médiatique, à éviter que nous ayons l'immunité. Parce qu'à partir du moment où il y a beaucoup de gens qui sont pris par un virus, ça crée l'immunité. Bon, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas expliquer, je ne suis pas un savant, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas tout ça. Mais c'est la réalité. J'avais écrit un article qui s'appelle, je vous le conseille, parce que là il est d'actualité, « La mort au bout du souffle ». Vous le trouverez sur mon site. Donc, on a échoué partout, on a fait... Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Macron? Il a fait le grand bluff, en quelque sorte, hein, écran de fumée. Il a fait des réunions bidons, il a organisé des tables rondes bidons, il a passé son temps à voyager ou à passer dans les médias, parce que ça, il sait faire. C'est tout ce qu'il sait faire. Bon, il a été réélu par défaut, en quelque sorte, et ce qui est dramatique, je vous le dis aujourd'hui, c'est qu'en 2027, encore, il pourra être réélu, même si ce n'est pas lui directement, mais ça pourrait être quelqu'un de son obédience. Parce que actuellement, il n'y a aucune opposition digne de ce nom en France. Et je martèle cela parce que c'est la vérité. Le combat que nous menons depuis le départ, depuis 2012, puisque j'ai créé mon site en 2012, contre, disons, le marxisme, le socialisme, enfin tout ce qui est mauvais pour l'homme, ne peut que continuer alors qu'il n'y a pas d'opposition pour nous aider. Parce que les opposants aujourd'hui sont quoi? Ce sont des notables. Vous savez, les notables, dans le temps, en province, ils régnaient sur tout, ils se rencontraient, c'était un peu comme une secte aussi. Eh bien, ça, Macron, il l'a bien compris, parce que quand il a été élu, il a pris tout de suite des gens qui étaient soi-disant de droite, hein, comme Édouard Philippe, par exemple, qu'il a mis comme Premier ministre, et ça a permis pour lui de masquer tout le reste. Ça, c'est très fort. Il faut reconnaître, c'est très fort. Parce que quand Sarkozy a fait la même chose, mais dans l'autre sens, ça a été un échec. Bon, vous voyez, c'est-à-dire on peut aller de droite vers la gauche, mais on ne peut pas aller de gauche vers la droite. Ça, c'est simple. C'est un truc, si on comprend, on a tout compris à la politique. Et voilà dans quel état d'esprit aujourd'hui on est, avec une France qui se tiers-mondise, avec une France qui s'islamise, parce que ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne vous montre pas. C'est logique. Et pourtant, dans certains endroits de France, ce n'est plus la France. Et ça, c'est quelque chose de tragique, qui a été permis depuis des années et qui continue. Vous avez un autre exemple, quand Macron se dit qu'il va combattre contre l'immigration, que c'est un problème, qu'il faut des trucs. Qu'est-ce qu'on apprend en même temps? Qu'en 2022, on a battu tous les records d'arrivée de migrants qui ont été pris en France et qui font partie du système. C'est-à-dire qu'on aide, à qui on donne tout, et pendant ce temps-là, vous avez des petits vieux, excusez-moi pour cette expression, parce que je ne l'aime pas, mais c'est l'expression, des petits vieux qui crèvent la dalle. Voilà, ça, il faut le savoir. Moi, j'ai vu des petits vieux qui, sur le marché, ramassaient de la bouffe par terre pour pouvoir manger. Voilà. Et c'est ça qu'on a en France. On a d'un côté le bling-bling, les bobos, les gogos, là, qui mènent grand train, qui n'ont pas de soucis financiers et qui se donnent en poseur de morale absolue, hein, qui nous explique qu'il faut faire le bien, le rassemblement, le vivre ensemble et tout ce bordel. Hein. Et en attendant, c'est tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la perlimpinpin, comme on dit, et la réalité, elle est tout autre. Hein. On n'aide pas les Français, le Français est considéré comme une merde, et c'est ça qui est gravissime, c'est tout le monde l'accepte, parce qu'il ne faut pas vous tromper.
tout le monde l'accepte. On a décrété, un autre exemple, on a décrété qu'en France, l'Ukraine était responsable, la guerre Ukraine-Russie était responsable de tous nos problèmes de pénurie. Alors là encore, je vous invite, il y a un site qui s'appelle l'INSEE, qui est très bien fait, vous cherchez les échanges entre pays avec la France, et vous allez voir que l'Ukraine représente rien, mais absolument rien. Et ça serait ce pays qui ferait qu'on aurait toutes ces pénuries de moutarde, de ceci, de cela. C'est faux, c'est faux. Les hausses d'énergie, je vous rappelle quand même, pour ceux qui aiment un peu l'histoire, elles ont toutes commencé bien avant février 2022, c'est-à-dire bien avant la nouvelle guerre entre la Russie et l'Ukraine, guerre qui existe depuis quand même 2013-2014. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fout l'histoire, c'est pas important. Or, cette pénurie vient du fait simple que la France est quasiment en faillite, qu'on ne peut plus payer certaines importations, et qu'il faut bien cacher tout cela, et le draper sous un manteau politique. Donc l'Ukraine est tombée fort à point, comme dirait l'autre. En attendant, on est mal, on est même très mal. J'espère franchement qu'il va y avoir un sursaut, parce que si on n'a pas un sursaut, je vous le dis, on est cuit. Là, les Blancs, comme nous, c'est fini, hein, faudra se casser. Pour ceux qui peuvent, je conseille vite de vérifier que leurs passeports sont valides, parce que sinon, ils ne pourront même pas s'en aller. Il n'est pas question de vivre dans un pays qui n'est plus le mien. Voilà, ça c'est clair et net, c'est pas question. Alors ceux qui veulent être des soumis, là, des dhimmis et tout le bordel, tant mieux pour eux, mais c'est pas question. C'est clair et net. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, peut-être, parce qu'avec l'ascension, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Alors, exemple concret, sur des réseaux sociaux bien connus, vous avez des annonces de prostitution, des annonces de voleurs, des annonces en tout genre d'escrocs. Eux ne sont jamais suspendus, ne sont jamais punis. Mais dès que vous écrivez un petit truc qui gêne, hein, parce que la vérité, ça gêne, et ben vous avez le droit à une bonne petite suspension, y compris sur Twitter, y compris depuis qu'il a été racheté, soi-disant, par un type qui allait le libérer. Et c'est faux. Il n'y a rien de libéré. Hein. La pensée unique, le wokisme, marche très fort. Je vais vous donner deux exemples, ou trois, ou quatre. Les dernières séries télé qu'on a pu voir sur les chaînes françaises, c'est avec, évidemment, de la diversité, des lesbiennes, des gays, et l'histoire, soi-disant policière, passe derrière tout ça, et on nous fait une propagande permanente, permanente. Et voilà, et c'est tout. Et on nous demande, ensuite, à nous, d'être exemplaires. Faudrait peut-être pas pousser mes mères dans les orties. Merci à tous, à bientôt, et si vous voulez partager, ça me fera toujours plaisir.